ben nous voilà au Ski Valtoraola. Hein, un peu de fraîcheur, hein. On est sympa. Ah, il fait bon ici. On va rester là. Pour la gifle, juste avant de partir. Allez. Alors, le gravel. Le gravel, c'est ça? On est parti sur le gravel. Non, tout droit, c'est bon. Eh bien, ça démarre fort, hein. Cette technique de départ. Hein. Faut pas se vautrer, faut pas se rater. Non, ça fait quoi? Ça fait 3e crevaison qu'on voit depuis tout à l'heure. 4 même. Putain. Ah non, parce que j'ai une cassette. Ah. À gauche. Ah bah ils ont mis des bouts de bois mais faut pas assez gros. Toujours pas de ravito. Commence à s'inquiéter, est-ce qu'on l'a rasé? Et regardez à l'horizon, on voit pas de tunnel ou quoi. On n'entend rien. On va voir ça. Une supérette qu'on s'arrête faire des courses. Alors, ici, il n'y aura pas de supérette. Enfin. Ouais, on va pas loin de 32, pas loin de 32 km. Et il n'y a plus rien. Oh purée. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est un chouette.
passage de tout le monde. Pas l'impression. Ils ont bien élagué, disons. À mon avis, l'arbre, ils ont coupé sur le terrain. Hihi. Et Dan, il est derrière. Allez, papy! Allez! Salut! Cool! Bonjour! Lâchez tout! Bon, 53e kilomètre, on reprend le rodéo. On peut se remettre un peu et se préparer à ce qu'il reste. Petite lumière de l'assistance électrique. Tout le monde était bien à terre. Et maintenant tu peux continuer. Mais c'est dur quand même. Je passe.
grosse montée avant d'arriver sur la plaine. Ah, une belle vue sur le belvédère. Hein? Dernière ligne pas tout à fait droite pour arriver jusqu'au camping et à l'arrivée. Ça devient bon. Un peu de fraîcheur dans le bois, encore un petit peu de passage technique. En faux plat. On voit les drapeaux de l'arrivée. Eh ben, dur, hein. 68 km, 980 D+. C'était chaud, mais on a réussi. Et qui est sur le port d'ailleurs? Eh ben ça va, mais... On va mettre là-bas là. Ah, mais, vous l'avez vu quand même derrière, bon Parce que qu'on perd sa belle-mère, c'est monnaie courante, mais on perd sa femme. Voilà.